suis Damien Legois, je suis le nouveau directeur du département de design d'interaction. Je suis un ancien de l'école puisque je suis de la promo 2003. Alors le département design d'interaction, c'est le département qui va s'intéresser aux nouvelles technologies du numérique, non pas comme finalité des projets, mais comme moyen pour les étudiants d'aboutir leurs projets, leurs concepts et répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Le cursus, c'est avant tout un cursus de design, donc c'est une méthodologie qui va s'intéresser au contexte, aux utilisateurs, aux problématiques qui vont être révélées. La difficulté, c'est justement les grandes possibilités qu'amènent ces technologies, puisqu'elles peuvent à la fois être sur des données utilisateurs, sur des capteurs, sur tout un tas d'éléments qu'il va falloir manipuler. Donc les étudiants vont devoir manipuler cette complexité pour la mettre dans leur projet et que ce soit finalement des projets et des concepts évidents et faciles d'utilisation. En design d'interaction, c'est un cursus que les étudiants choisissent en troisième année. Ils ont une initiation en deuxième année dans chacun des départements. C'est à partir de la troisième année qu'ils vont se spécialiser en design d'interaction avec des cours plus spécifiques comme par exemple l'apprentissage de langage Arduino qui vont leur permettre de maqueter des produits interactifs. Alors évidemment, quand on pense design d'interaction, on va penser à des tablettes, à des télés interactives. Et justement, je pense que le design d'interaction doit aller au-delà des écrans, puisque aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de sortir de finalement tout l'historique de la technologie qui s'est symbolisée dans les écrans. Et c'est pour ça que l'avenir dans le design d'interaction est si intéressant.